Allez, on passe au challenge entre les équipes U13 du département en collaboration avec le district d'Indre-et-Loire. Ce soir, je vous demande d'accueillir les U13 de Notre-Dame-d'Oé et de Véretz-Larçay. Vous pouvez les applaudir très fort. Alors, Notre-Dame-d'Oé jouera ce soir en rouge et noir. Et du côté de Véretz-Larçay, on jouera en rouge et blanc. Je vous rappelle rapidement le principe, c'est très simple, chaque joueur va partir défier le gardien adverse à chacun son tour. Il aura 30 secondes pour tirer au but, ça va durer 6 minutes. L'équipe qui aura le plus marqué aura une chance de se qualifier pour les demi-finales, ça ce sera en fin de saison. Allez, on commence avec le numéro 6, Jules de Véretz-Larçay. Et c'est un but pour commencer, 1-0 pour Véretz-Larçay. C'est sur la barre, un tir de Safouan de Notre-Dame-d'Oé. Numéro 3 de Notre-Dame-d'Oé qui vient de marquer, c'est Louis. Bien joué Louis. C'est raté pour le numéro 4 de Notre-Dame-d'Oé, Nathan. But du numéro 4 de Véretz-Larçay, Corentin. On en est à 4-2 pour Véretz-Larçay, 4-3. But de Sofiane de Notre-Dame-d'Oé. Allez, vous pouvez continuer de les soutenir, le numéro 3 de Véretz-Larçay, c'est dedans, but de Matteo. Alors, niveau du score, on en est à 6-4 pour Véretz-Larçay, 7-4, grâce à un but du numéro 2, Paul. Alors, tous les joueurs de Véretz-Larçay ont marqué minimum un but chacun. De Mathis. Alors, on en est à 10-6 pour Véretz-Larçay. But du numéro 3, Matteo. 11-6 pour Véretz-Larçay. Allez, on veut vous entendre les spectateurs, les soutenir encore. On est à peu près à la moitié de ce challenge. On en est à 12-7. 13-7 maintenant pour Véretz-Larçay grâce à un but du numéro 4, Corentin. Un nouveau but du numéro 5, Mathis pour Véretz-Larçay. C'est le numéro 6 de Notre-Dame-d'Oé, c'est dedans, c'est facile. Bien joué, Sofiane. Pour Véretz-Larçay qui a une large avance. Numéro 3 de Notre-Dame-d'Oé, c'est dedans. But de Louis. Belle frappe du numéro 2, Paul de Véretz-Larçay. Il y a certaines choses qu'il faut pas bouger. Notre-Dame-d'Oé qui réduit un petit peu l'écart. 17-13, but du numéro 6, Jules de Véretz-Larçay. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup passionnément. Pas du tout, pas du tout. French kiss. Allez, il reste encore 2 minutes 30, on veut vous entendre pour soutenir les deux équipes, Notre-Dame-d'Oé et Véretz-Larçay. Le numéro 4 de Notre-Dame-d'Oé s'est raté. Bel arrêt du gardien de Véretz-Larçay, Kerian.
reste 2 minutes. But du numéro 6, Sofiane pour Notre-Dame-d'Oé. Cette fois c'est le numéro 6 de Verette Larcet qui marque, c'est Jules. Magnifique but du numéro 3 de Verette Larcet. Mathéo. À 19 pour Verette Larcet, 25-19. Nouveau but du numéro 6 de Verette Larcet, Jules, bien joué. 30 secondes, il reste 30 secondes sur ce challenge entre Notre-Dame-d'Oé et Verette Larcet. Bien joué, but du numéro 3, Mathéo de Verette Larcet. Secondes et but du numéro 4 de Verette Larcet, Corentin. But du numéro 5 de Notre-Dame-d'Oé, Hugo. On enchaîne les buts ce soir. Un nouveau but, cette fois du numéro 5, Mathis de Verette Larcet. C'était raté pour Notre-Dame-d'Oé, bel arrêt du gardien de Verette Larcet, Kerian. Voilà, c'est terminé. Score final 23 pour Notre-Dame-d'Oé. Et on en est à 30 pour Verette Larcet qui remporte donc ce challenge pour la 22e journée de Dominos Ligue 2. La victoire donc de Verette Larcet qui aura donc une chance de se qualifier pour les demi-finales de ce challenge en fin de saison. Vous pouvez encore applaudir les U13 de Notre-Dame-d'Oé et les U13 de Verette Larcet. Le prochain challenge, ce sera la mi-temps du prochain match à la Vallée du Cher. On se donne rendez-vous donc le mardi 7 février prochain. Ce sera entre Tours et Amiens. Et à la mi-temps, on se retrouvera pour un nouveau challenge.